Bonsoir et bienvenue pour nous dans un nouveau sport. Espérons qu'on passe bon la fête de l'indépendance. Je commence avec le sport national. Dans le basketball, l'équipe Ebi Boys est restée parmi les favoris pour remporter la petite ligue 2e division. Jusqu'à présent, sa saison, sa l'équipe basée en Spoilo, Pekon est parcours 100% victoire. Justement, les 10 autres tiquons sont deuxième victoire dans autant match et ça tire l'équipe PL Sens. Score final, 70-63. Tous les deux équipes sont entrées dans ce match avec un seul quelque chose en tête. Ça, c'est pour sortir avec une victoire. La pression est plus sur l'équipe PL Sens son zone parce que dans deux matchs auparavant, c'est une sortie l'homme vide et c'est une tout pour renverser sa tendance. Là, dans le premier cas, c'est bien commencé. Quand ils pour appliquer bien sur l'attaque, et force Ebi Boys fait beaucoup faute de défense. Là, c'était PL Sens basé plaisance qui termine un petit peu score, surtout à travers le bon basket 3 points. Ici, Captain Hamid Akon y met saut devant 15-12. Mais Ebi Boys qui partit en vie, qui saute bon commencement dans la ligue, y gâté pour arranger pour la saute pour faire l'écart. Francesco Boniface y fait arrive 16 le 17. La tenue concerne pour l'entourage sa zen l'équipe PL Sens. Zot forcé regrouper. Retourne le court, zot pour rester concentré. Et là, zot pour remporter sa premier quart 22 le 18. Et puis, boys, qui la plupart du temps, il mal commence premier quart, mais après rattrapé. Si facilement s'y monter dans deuxième quart. La zot pour retourner avec zot jouer la vitesse. Et à droite, le zot shooting. Qui fait zot pour quitter sa l'équipe PL Sens à l'écart. De l'autre côté, PL Sens s'y perd un peu sa agressivité premier quart. Là, zot pour faire beaucoup de turnovers. Qui fait la fin sa première 20 minutes. Zot, tu vois, zot derrière 29 le 38. Là, zot s'y fait seulement 7 points comparé avec 20 pour Ebi Boys. 9 points l'écart, pas impossible pour PL Sens s'y monter. De l'autre côté, Ebi Boys, type machine, agrandit sa score. Mais troisième quart tient plus mauvais en termes de qualité basket, sorti contre tous les deux équipes, beaucoup de turnovers, et ce n'est qu'après 5 minutes que nous voyons un basket. Ça de lui-même, ce rend sa match pas trop excitant. La fin de sa troisième quart, même si c'était Ebi Boys qui était toujours devant le score 46-41, ça une carte qui est plus vilain car, contre la zone fait seulement 8 points, comparé avec 12 pour PL Sens. Dernier 10 minutes sa match, Ebi Boys t'invite avec une approche plus agressive et met plus basket. Là, de sa case, pour mettre zot 24 points, tandis que PL Sens 22, qui fait Ebi Boys y sorti victorieux 70-63. Les gars tiennent un peu tight, on va dire, mais seulement 4e quart, on fait l'essentiel. On va venir pour deuxième, on est tagué, on va venir pour premier. Et que les temps, avec le training, nous pouvons aller, il y a quelque chose qui est possible. Comparé avec les autres games, il y a un tableau meilleur. Avant, nous participions à arriver même 50, le score. Là, aujourd'hui, nous arrivons 63, le 70, ce n'est pas mauvais. Mais dans l'équipe, nous avons build up momentum en même temps. Nous jouons 3, nous perdons 3 seulement. Nous continuons à travailler. Nous allons l'Odelo à présent dans la première compétition. Bon athlète qui démontre son capacité et fait un bon résultat dans la Coupe L'Habitation Ilka Open. Vainqueur de Rodney Govinden qui finit avec 8 points et dans la deuxième position de son frère Roy qui termine avec 17 points. 9 bateaux qui comptent l'année départ dans 3 différentes catégories. Côte là, tiennent les 4.7, Redial aussi bien qu'il y a un bateau standard. Zot parcours, c'était saucisse qui zot un peu besoin fait des fois, veut dire démonter, descendre. Divan, tu as à peu près 12 nains, palais sans un petit peu direction, monter, descendre. Tout ça là, où tu peux jouer avec sa qualité de divan. Pour meilleur athlète hommes 2019, Rodney Govinden, Litin voili à côté son frère Roy. Donc tiens affaire frère là à présent bataille pour essayer lesquels qui peuvent meilleur là côté ban Govinden concerné si mon autre type rôde lesquels qui pour capable finir parmi ban meilleur au podium. Rodney depuis le commencement payaz c'est lui qui rôde un petit peu contrôle fait son expérience compter il navigue bien son bateau veut dire là il tape bien débrouillé.
Et il fait si rester un petit peu bien la retenir, c'est lui qui a un contrôle total de sa paillade. Pour lui, qui est le premier paillade, qui est en première position, après, tu vois, l'Ipézis a fini la deuxième place. Donc, dans l'esprit, ça joue là de sa navigation, c'était fait sa quatrième et sa cinquième paillade, capable de finir bien avec lui. Ou qu'on est pas là, il plie bon là, on est un opponent qui pas dans la famille, si mal la compétition, il reste encore plus dit. Mais là, on est un pro-frère, simplement parce qu'ils ont tiré ensemble. Alors, là, quelque chose, pas type facile du tout. Dans l'esprit, c'était bataillé. Et fait si, qu'il a Roy, il est capable de dire, on quelque chose pour lui capable de faire une différence. Simon, il te connaît qui son frère aussi, tiens quelque chose. Dans ce cas, des enfants ensemble, alors, dans l'esprit, ils ont gardé sa combativité. Mais c'était Rodney qui restait un petit peu pâle, meilleur. Roy Lee tenait bien dans sa parcours, qui finit bien même, mais c'est Rodney qui prend pas important là, c'est lui qui prend première position. Et Roy Covinen, dans le premier paillage, il finit deuxième. La deuxième paillasse, c'était toujours Rodney Govinen qui restait bien dans lui. C'est lui qui amène un petit peu son qualité, ciment et montrer son expérience à tout ça et compter. Alors, ça passe en rien ou bien direction de sa compétition. Rodney Govinen, c'est lui qui restait bien en tête. Là, il finit dans la première place. Donc, le classement général pour la Coupe L'Habitation, Rodney Govinen, il finit avec 8 points. Rodney Pedi, qui comme il a son temps, il aussi partage avec Ben Zen de sa sport. Je suis assez tough à cause que j'ai un peu long. So, physically, j'ai un peu tough. Ouais, mon bon, mon performance, on fait assez bien. On a fait des bons starts, tous les deux risques. Et jusqu'à contrôler la course. So, yeah, il y a un assez bien pour moi. Yeah. C'est juste c'est for fun, right? Nous c'est pas plutôt au train, ça m'a venu samedi pour race, parce que moi j'ai enjoy ça sport. Et après les bonnes les autres samedi qui nous pas fait race, nous vous donne la main pour faire bon train bon mamai de samedi qui n'a pas race. So ils ont dépassé un peu bon knowledge avec bon zen mamai qui peut monter et des plus autres viennent un peu plus meilleur. Roy Govinden lui finit la deuxième place avec 15 points. Ipemazine fait plus bien que ça dans l'autre paillade. En gros, performance pour sa série, pas vraiment à la hauteur. Ouais, mon team bien commencé, le premier des races, mais c'est moi, dernier quart race. Performance pas vraiment à la hauteur, mais on fait beaucoup de fautes, un peu assez vite, qui nous fait mon perdre, un peu surtout pour le premier upwind, qui après ça, Rodney définitivement capitalise là. Et bon, c'est moi, en général, deuxième, mon satisfait. Et dans la coupe Suzuki Marine les 4.7, c'était Ma Figaro qui était plus fort avec 17 points. Et pour la coupe Swim Blue Pool Care, c'est Jaden Vidot qui remporte première position au classement général. Mais de Payaz, samedi, c'était Dominique Labrosse qui prend tous les deux premières positions. Le radial, c'était Jaden Vidot qui restait fort. Simon domine un petit peu la côte classement général. Mais dans la quatrième et la cinquième paillade, c'était Dominique Labrosse qui prend un bon peloton, pas d'action. Il retournait Labrosse dans deux paillades, quatrième et la cinquième. C'est lui qui finit fort. Là, il finit dans la première position. Labrosse, le classement général, il est en troisième place et il en a les 22 points. Le temps pas mal, divant, il y a assez passable. Mais c'est qu'à faire plus bien, puisqu'il y a. Pour mon retour là, je suis pas mal débrouillé. Je suis en behalf qui est dans mon pensée. Mais je crois que je vais faire plus encore. Le classement général, Vidot, il restait en tête avec 12 points. Samedi passé, Vidot, il va aller finir deux fois de deuxième place. Deuxième dans sa catégorie radiale, il y a le pour Kenny Constance, lié avec 18 points. Dommage, il partit présent samedi passé dans sa course.
pour 4 points 7, 3 compétiteurs. Il reste les épaules collées parce qu'il y a avec un camarade, Tim Figaro, Laurent Cotoré et Marius Assari. La quatrième et la cinquième paillasse samedi, c'était Tim Figaro qui restait un petit peu plus fort pour le contrôle de première position. Là, c'est lui qui pour la guerre fort même Figaro. Il fait si que personne n'a pas coûté lui. À la fin, Figaro il finit tous les deux la course de première position. Le classement général, Figaro lui finit en tête avec 17 points. C'est un peu comme si c'est un peu difficile. Sur mon monde, c'est mon mieux, mon déterminé pour mon cas, soit tu peux mieux. Quelquefois, plus tard, ma besoin plus haut, ma quelquefois, car train de vidéo, ferris de vidéo. C'est un peu challenging. Sur mon monde, c'est mon mieux. Divant, tu dans mon faveur ou soit ou pour dire non. Si dans mon faveur, y a ben gosse, tu ne viens pas Togo. Sur mon monde, c'est pèse bateau. Pour Laurent Cotoré, il finit en deuxième place à le classement général. Mais samedi passé, Simon et Tivoalem, tu peux dans difficulté. Dans quatrième paillasse, Ivoali termine en quatrième position. Et dans cinquième paillasse, il finit en deuxième place. Qui fait Laurent, il est en deuxième place à le classement général avec 14 points. Dans ce soir, quand on fait les bien, c'est moi. Pour le Driss, pour un Driss par Driss. Last year, I was just coming fourth, fifth, but now I'm coming first, third, second. It's just that today I didn't pay attention to the first guy. I was just paying attention to the one near closest to me. So next time, I have to watch everyone. I just need to improve a lot, watch my sails, my ropes, make sure it's tight, because this race, for the first one, it got loose, so errors happens and we're all humans. Marius Assari, pas de mal à débouiller dans tous les dépaillages samedi passé. Là, il fait si, il garde lui bien dans jouer dans troisième place tous les deux. Marius, il a présent dans 16 points, mais il est dans troisième position le classement général. Ah, c'est satisfaisant, c'est moi. Toi, mon petit café, beaucoup plus bien. C'est à cause condition de temps que tu fais un tour de mon faveur, c'est mon moment de la saison. Lui même les chasseurs ok, c'est mon temps intense. Ya, c'est mon essayer, moyen, nous capable. Nous voyons volleyball à présent, c'est demain qui nous pourront l'autre finaliste tournoi pour la Coupe Land Marine pour mon femme en première division. Les temps Cascade jouent contre Montfleury dans deuxième match semi-finale. Ce match pour commencer à partir 5h15 Palais des Sports. Nouvelle Sports se termine là pour aujourd'hui. Madjou, merci pour suivre.